Qui est Hirondelle Dor C'est ce sacré volatile qui nous a mis la main au collet. Je vois, il me tarde de faire sa connaissance. But now we come to a period that I call the battle for identity. lies my grandma told me. Yeah, superstition Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 16, épisode 25. Cette semaine émission Tradition, Révolution et Combattre le Temps. Les arbres dressent branches nues vers les cieux, vers les cieux gris silencieux, tendent leurs branches nues vers les nuées, tandis que des loups orgueilleux hurlent partout sur le pays. Mon beau pays par l'hiver soumis, quand reverrons-nous l'hirondelle eh oui, vous êtes bien dans en attendant Godard l'émission de cinéma qui est la meilleure qui autres. Et donc, vous l'aurez peut-être compris via cette ch chanson, via cette citation de la chanson L'hirondelle de Gilles Servat. Nous allons parler donc ce soir euh, d'oiseaux à l'occasion de la sortie chez Spectrum Films du coffret King Who volume 2 qui contient notamment euh, un de ses chefs-d'œuvre L'hirondelle d'or, mais également cinq autres films euh, Son of Good Earth, le film à sketch Four Moods, The Wheel of Life et The Painted Skin. Et ensuite, nous parlerons du film suisse. Et oui, ça arrive. Des ordres de Cyril Chaublin, sorti en fin d'année chez chez Lac Distribution. Et pour parler de ce jour au programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique que du Grand Ouest. Il y a Simon l'ancien. Bonsoir, Simon. Bonsoir, Thomas. Bonsoir à toutes et tous. À la mise en son de cette émission, mais également à la parlotte, il y a carrément Floré. Bonsoir, Thibault. Salut, Thomas. Salut à tous. Quel beau merdier. Ah, et voilà, encore quelques pains à prévoir dans cette émission, mais bon, des pains, il en sera aussi question dans le de si King o, donc donc ça tombe bien. Le docteur Erwan aura son quart d'heure syndical de retard, car une fois de plus, il revient d'Opex dans les territoires euh, tout perdus là-bas, dans, dans la célèbre ville à la truite, donc Loudéac, hein, qui, je rappelle, dont la seule merveille est une truite colorée cachée derrière l'église de Loudéac. C'est vrai, hein, c'est magnifique. C'est bon à savoir. Oui. C'est bon à savoir, voilà. Mais c'est bien comme ça de découvrir un peu les territoires, comme par exemple, tu pourras savoir que maintenant, à la Roche-sur-Yon, il y a une, une statue Jacques Chirac. <laughs> Où tu vois donc Chirac qui tend sa main et tu peux aller serrer la main de Chirac à La Roche-sur-Yon. Ok d'accord moi bon, là aussi je note pour un point photo bientôt. Voilà exactement. Si vous ne savez pas quoi faire de votre week-end, allez voir les éléments comme ça improbables de nos territoires qui font toute la richesse et la beauté de notre pays. Je préfère quand même la statue Hitchcock à Dinard. Oui c'est ça. Ou la statue Maigret à Bruxelles. <laughs> Il y a une vraie statue de donc du commissaire Maigret à Bruxelles. C'est pas mal. Ou à Philadelphie celle de Rocky. D'accord, maintenant, comme ça, tu peux compléter ton tour du monde des statues ça, improbables. Exactement, c'est ça. Au lieu d'aller voir des bonzes de 22 mètres de haut euh, en Chine, voilà, aller voir la statue de Rocky Balboa à Philadelphie, et tout ça, ce genre de choses. Alors Les, ils n'ont jamais fait de statue, hein, comme dirait le Bilber, il n'y a pas de statue de George Foreman à Philadelphie, oui. alors que c'est leur champion local. Ils ont une statue d'un mec qui n'existe même pas, <laughs> d'un mec de fiction, parce qu'il a fait beaucoup plus pour Philadelphie que George Foreman. C'est dégueulasse. Donc voilà, c'est le programme. On va passer tout de suite aux nouvelles œuvres de tête de ligne. Tout de suite. Il va jeter un saut de verre en plein mmh. milieu. Donc, voilà. Ça va être compliqué. Euh, ça va être compliqué. À propos de compliqué, euh, carrément, florel les performances du Stade Rennais Football Club de ces dernières semaines. Ah bah écoute, j'ai envie de te dire c'est compliqué comme le début de saison de Romain Bardet qui s'est envoyé une commotion cérébrale. Ah oui c'est vrai. Sur tiréno adriatico. Adriatico ouais ouais. Pff. Ça va le moral, Thibault Être fan de sport, c'est un sacerdoce. Oui, c'est vrai que là, entre Rennes et puis Romain Bardet, c'est pas, pas du tout. Non, non, non. On, on espère qu'on va se reprendre quand même. Oui. Bref, il y a des choses plus rigolotes dans la vie, comme le cinéma. Le... Nous avons le plaisir de vous proposer avec nos camarades du cinéma et mort dans le cadre des films du dimanche soir, comme tous les mois, le 31 mars prochain, donc à Larvor, avant la sortie du nouveau film de Ethan Cohen, en solo sans son frère Joël. Donc. Nous avons le plaisir de vous proposer pour voir ou revoir The Big Lebowski, donc leur film de 1997-98, ce genre de choses. Fin des années 90, voilà. Donc, si vous aimez le bowling et John Milius, par exemple, deux passions que nous avons tous ici, notamment du John Milius, mais donc voilà. Nous vous invitons à venir, nombreuses et nombreuses, le revoir. Euh, sinon, demain, toujours à Larvor, euh, il y a la projection du film coréen euh, « Sleep euh, », qui sera présenté par euh, Bastian Mereson à l'occasion de la sortie de son livre donc, euh, sur le cinéma coréen, qui a eu un prix, euh, le prix de la, du Syndicat de la Critique euh, en fin d'année dernière meilleur album ou meilleur livre de cinéma de l'année, je ne sais plus, mais donc voilà, Bastian sera là, grand spécialiste quand même du domaine, donc sera là pour présenter euh, ce film que vous avez chroniqué, je ne sais plus, j'ai dû non, rater. pas non encore, d accord. D accord. non, non mais c'est prévu, coup, il vaut le coup. J'ai noté, dans mes tablettes. Euh, sinon, euh, jeudi à, au Ciné TNB, il y a une soirée hommage à Jean-Louis Comolli qui est décédé donc l'année dernière, avec à la projection d'un film de Dominique Cabrera. Bonjour M. et la séance sera présentée et accompagnée notamment par Anthony Fion de l'Université Rennes 2 et Yona Lekeinec de... du Lycée Chateaubriand. Voilà, donc pour discussion autour de ce grand critique et théoricien français du cinéma. Euh, et donc, sinon, ce samedi à 17h, dans le cadre de Monumental, toujours à l'arvor, ce sera la présentation du film en copie restaurée de Akira Kurosawa d'Erzo Uzala. À 17h. Immense de chez Immense. Alors que Moi, je jamais vu, donc c'est l'occasion de le voir. Ah, très hein. bien. ah ouais, bah c'est... Deux autres chefs-d'œuvre demain soir au, au Ciné Tambour oui. avec euh, le, le Pasolini d'abord. À euh, 18h15. Edi Proy. Donc à voir sur grand écran. Mmh. Hein, une... Je dis toujours qu'on a l'impression avec Pasolini d'être monté dans une machine à voyager dans le temps et de, de voir du cinéma comme ça aurait pu être pratiqué dans l'Antiquité. C'est quand même assez extraordinaire. Et puis, euh, toujours sur le thème de Deep, euh, mais de façon assez détournée, euh, le, Les Funérailles des Roses de Toshio Matsumoto, son premier long métrage, c'est un cinéaste qui venait du cinéma expérimental dans les années 60, qui a réalisé ce premier long dans le, le monde des bars euh, gays et, et, des, des, et la scène des travestis euh, japonais des, du quartier de Shinjuku à, à Tokyo à la fin des années 60. Et c'est un film d'une invention, mais formelle. Complètement dingue. Ouais, un pitch comme ça, ça fait très wakamatsu. Oui, effectivement, c'est un peu ce milieu-là, même si euh, Matsumoto, c'est un peu plus un esthète et un, un peu plus un télo. Non, non, il n'a pas fait beaucoup de longs métrages, On en a fait quatre, si même mode, mais beaucoup de cours avant. Et il a théorisé aussi pas mal sa pratique. Il s'est pas mal affronté euh, par plume interposées avec Oshima, d'ailleurs. Euh, mais euh, peut-être que ces quatre films sont passionnants, mais peut-être que le plus célèbre, c'est Ces Funérailles des Roses qui. Qui, ont, qui, étaient, qui étaient cultes, mais qui ont mis du temps à être redécouverts en, en France, et que je vous invite vraiment à voir sur, sur grand écran avec euh, le, son comédien principal, qui, est, qui a un <coughs> nom de scène qui s'appelle Peter, ou Peter en, 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 en japonais, et qui, euh, que vous avez peut-être aperçu bah, justement chez Kurosawa. C'est lui qui fait le bouffon dans RAN, par exemple, ah. et euh, il a joué souvent. Des seconds rôles, mais assez, assez régulièrement euh, dans le cinéma japonais. Après, une après gueule quoi, du, euh, un oui, caractère. Mais une gueule très fine hein, parce qu'il a un caractère très androgyne. Il est assez marquant pour cela. Il est à l'honneur dans, dans ses funérailles des roses qui, qui reprennent en fait en sous-texte le, le mythe de Deep. Enfin, surtout oui, euh, oui le mythe, mais et puis euh, aussi euh, ce qui est lié à la psychanalyse et ce qu'on a fait à la psychanalyse. Mais il, euh, il change les, les codes puisque c'est plutôt l'histoire d'un personnage qui, qui tue sa mère et qui couche avec son père enfin un Une peu ouais, voilà. merci et sinon dans les sorties nationales et ben, bah, comme on le disait euh, il y a quelques semaines euh, c'est vraiment pas la folie après un mois de février qui était déjà bien mou un mois de mars euh, qui est globalement pas terrible et bien on va continuer sur cette lancée espérons euh, visiblement comme on le dit euh, le fameux, on entre dans le fameux tunnel pré-canois où tous les les studios réservent leurs gros films notamment le 24 mai il y aura bien évidemment le film le plus attendu de l'année par Simon et moi donc Furiosa de George Miller dont la promotion devrait commencer eux, tout bientôt, puisqu'ils étaient aux Oscars. Ils ont annoncé que vraiment, les gros trucs vont commencer à partir du mois d'avril. Des nouvelles bandes annonces qui ne seront pas montées par la Warner cette fois, donc ah, euh, qui ne seront tombe. pas salopées, mais qui seront montées par l'équipe de George Miller. Donc là, plein de choses qui vont sortir. Il y a déjà quelques infos, quelques nouvelles photos qui sont sorties dans Empire, notamment. Tout ça, oui, le le David Lin de George Miller. Voilà, c'est ce qu'a dit... Le, Laurence euh, d'Arabi pardon. Voilà, l'acteur qui Miller. joue... Euh, Immortan Joe, jeune. Immortan Joe, voilà, dans cet épisode, dit... Euh c'est son David c'est un des Hensworth hein, c'est ça c'est le... oui, euh... Chris ouais. mais pas qui joue Immortan Joe non lui, ah, il joue euh, il joue des mentus euh, un warlord à moto euh, qui va défier justement Immortan Joe tout ça avec les Vivalini ce... on aura largement le temps d'en reparler quand le film sortira hein, Simon je pense que tu viendras en parler oui, oui, avec plaisir on fera émission spéciale de toute façon a priori Surtout qu'on va remettre une couche au avec nos top 2008-2023. Oui, ça c'est, ça va tout chambouler. Donc euh, voilà, mais bref, ça, ça ne sort pas du tout. Donc, euh, là, ça sort au mois de mai. Mais donc demain, il y a... Euh, alors pour vous, je sais que vous aimez rire et vous aimez en même temps les belles histoires de filiation. Il y a Les Rois de la Piste avec Fanny Ardant et Mathieu Kassovitz, réalisé par Thierry Clifard, ancien du magazine Le Studio. Je suis jamais déçu avec toi, tu ventes toujours du rêve <laughs> avec des films français improbables. Voilà, voilà, Fanny Ardant, Kassovitz. Euh, alors je sais pas si t'as vu euh, Thibaut sur la réseau mais là euh, Okasovitz qui est vraiment euh, viré en mode euh, fou le vieux con à 56 ans qui fait des vidéos, où il est en train de faire la cuisine ou alors en train de faire caca où il provoque en duel Saïd Tagmaoui. il veut absolument qu'il se batte en un match de boxe anglaise <laughs> C'est <Comme tu rire> dramatique quand tu vois, vois. Là là. En plus elles sont super longues ces vidéos elles durent 4 minutes où il dit ouais mais non Saïd je t'aime mais je vais te péter la gueule et tout je... je vais te péter les dents, il monte des muscles et tout il pète c'est dramatique, il hein. faut, faut vraiment que ce garçon retourne hein, parce que là ça va plus du tout. Hein. Bref, sinon il y a une comédie française avec Fabrice et Boubet qui s'appelle Heureux Gagnant. Ce sont des gens qui n'ont que gagné au loto. Hein, ça truc qui revient régulièrement dans le cinéma français des gens qui grattent comme il y avait un truc avec Darroussin il y a quelques années euh... si j'avais été millionnaire ou de... un truc comme ça ah si j'étais riche ah si j'étais riche ouais. voilà <laughs> et sinon bah, toujours pour rester dans le français une nouvelle comédie mais là c'est Guillaume Nicloux qui revient avec son pendant euh, faux documentaire après l'enlèvement de Michel Welbeck et après donc Talasso avec Depardieu et Welbeck, c'est dans la peau de Blanche Welbeck, avec Blanche Gardin et Michel Welbeck, où Blanche Gardin se rend au Caribe à un concours de sosie de Michel Welbeck, auquel <laughs> participe Michel Welbeck. Évidemment, ça ne va pas se passer comme prévu, parce, qu va, parce que Michel Welbeck va tenter les champignons. Tu <laughs> vas <laughs> la suivre, je alors, moi je suis hyper chaud, hein. je, on en, je reparlerai probablement la semaine prochaine. Hein. Je suis de toute façon très client de Niclou, même s'il y a quand même des ratés. Mais cette veine là où il fait tourner Michel Welbeck qui fait n'importe quoi, ça me fait rire. Voilà, et c'est à peu près tout ce que j'ai noté. Des viances, hein. voilà, chacun ses Chacun exactement. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai noté pour les sorties nationales. On trouvera bien de quoi parler la semaine prochaine. Il y a quand même des petits trucs qui traînent. On va passer à la section critique de cette émission et on va parler de mort, car c'est notre nom. En attendant Godard sur Syllabe, et donc c'était John Carpenter avec Cody Carpenter et Daniel Davis avec le morceau My Name is Death. Premier extrait de son nouvel album Lost Them Volume 4 qui sortira au mois de mai, si je ne m'abuse, d'après. Mon informateur qui est à ma droite. <laughs> Je crois, oui, ça. Donc voilà où, où John Carpenter continue son exploration musicale de son cerveau malade entre deux jeux vidéo <laughs> auxquels il joue. deux parties de basket. Ouais, ouais. Voilà. Et puis il s'est rendu compte qu'en fait il pouvait faire la musique sans faire les films <laughs> voilà qu'il n'a pas besoin de se, se, se coltiner les producteurs. Voilà et que éventuellement si des gens sont intéressés, ils peuvent lui acheter sa musique. C'est un peu ce qu'il fait sur les Halloween de David Gordon Green où en gros il a fait la musique des films, il a absolument pas bossé dessus, ça se voit d'ailleurs qu'il n'a pas bossé dessus, mais ben voilà, il a bien raison, euh, John, de plus se faire chier avec Hollywood, de kit de toute façon. On n'en a jamais eu malheureusement grand chose à foutre euh, de lui. Mais une fois de plus, hein, nous vous invitons à écouter euh, les commentaires audio que John Carpenter euh, a fait sur ses films, notamment avec euh, Kurt Russell. C'est quand même souvent euh, ses deux copains oui, qui rigolent pendant deux heures. Oui, et notamment ce, celui sur euh, Jack Burton dans oui. les, euh, les Griffes du mandarin, qui, dé qui débute comme. Sur un éclat de rire, rire de Kurt Russell par rapport au fait que on, ça commence par une scène imposée par les producteurs et qui est un film en hommage en grande partie oui. au cinéma de Hong Kong dont il va être question. Voilà, le cinéma de Hong Kong et de Taïwan, parce que, notamment, donc très bonne transition. John Carpenter ne s'en est jamais caché de son admiration pour le cinéma de Hong Kong et de Taïwan, donc euh, évidemment le cinéma de Choi Yark à l'époque, mais donc aussi en référence au cinéma de King Hu, King Ooh, qui est donc à l'honneur à l'occasion d'un gros coffret de cinq films chez Spectrum Films, donc coffret King Ooh volume 2. Le premier volume était sorti il y a presque 20, je crois, Trois ans, trois ans et demi, qui, qui contenait deux films et moult chier de bonus et un livre sur le film de Sabre. Et là, donc, ce gros coffret que j'ai dans la main présentement, car il vient de nous être amené par le docteur Erwan qui vient de nous rejoindre en studio. Bonsoir, docteur. Bonsoir. C'était un livre sur Kingu. C'est un, le, un le livre sur, sur le, livre, le livre sur livre de Sable, C'est euh, dans un coffret plutôt de Soyer. Oui, c'est ça, exactement. Oui. oui. Donc voilà. et, et là, c'est un autre livre voilà qui, qui autre est en fait un numéro de revue à l'origine. Voilà de, des Cahiers du cinéma spécial Hong Kong 1984. C'est un hors série. Enfin, c'est un numéro ouais. occulte hein, des Cahiers ouais. du cinéma. Un ultra culte même. Ultra culte et que moi j'avais. J'ai commencé par ça. J'avais jamais, j'avais jamais vraiment lu. Maîtrise. Je suis très content de l'avoir parce qu'effectivement, en 1984, c'est vraiment là où Hong Kong commence à explosé dans tous les sens euh, par la pépinière de talents du nouveau cinéma de la nouvelle vague hongkongaise et le cinéma, le numéro est quand même vraiment impeccable entre les interviews dirigées par Assayas essentiellement photos, et enfin, les les son, oui, effectivement, euh, ils étaient euh, avec Toubiana ils étaient partis là-bas oui ils étaient motivés avec les, les, enfin, le fait que Serge Daney avait déjà été attentif à ce qui se passait en, en Chine notamment et voilà il y avait euh, il y avait une ouverture là possible et ils ont ils ont vraiment euh, fait le travail. Euh, ils ont un petit regret, c'est à l'époque pas avoir pu rencontrer Chang-Che, mm. mais il y a quand même des textes dans le numéro consacré à ce cinéaste important aussi de la période. Ils sont allés voir les acteurs, les chorégraphes mm. de combat, les règleurs de combat, les cinéastes quand c'était possible. King Wu, parfois d'ailleurs, ils l'ont rencontré euh, en, en, mm. en Occident, pas nécessairement là-bas, mais voilà, c'est un numéro qui, euh, qui est très dense, euh, qui euh, donne la parole aux principaux intéressés. Euh, qui est très précis, enfin qui essaie d'être, surtout pour l'époque, hein, c'était à 40 ah oui. ans, elle assez, assez précis sur les noms, les, les graphies, l'histoire les... Oui, les, euh, dépeinte aussi par les films, l'histoire le, du temple Shaolin, etc. Il oui. faut bien se dire que voilà, en France, il y avait peu de choses sur ces questions-là. Je me souviens qu'il y avait un une double page sur la, la mort du héros je ne me demande si si c'était pas chez euh, chez Chang justement effectivement ouais, des évidemment. photos je me souviens numéro, euh, voilà, euh, sur la, numéro la mort aussi, sacrificielle euh. du héros enfin avec des trucs sur les sur les les codes aussi quoi du, du, du cinéma d'arts martiaux enfin moi je me souviens que c'était très éclairant ça comme euh... et le numéro aussi du coup donc c'était pas seulement le cinéma de Hong Kong au présent donc comme 1984 mais c'était aussi de refaire un peu une histoire du cinéma de Hong Kong et de Taïwan aussi, quand même euh, par des biais divers euh, dans le cadre du cinéma mondial et du cinéma chinois. Et donc il y avait notamment euh, des articles et, et des papiers sur, ça, ça euh, coup, sur King ff... ou plein de choses assez précises ah, en plus. Il hein. faut préciser aussi que c'est peut-être la première fois qu'en fait on aborde sérieusement en fait la question du cinéma de Hong Kong parce qu'il faut bien se rappeler que le cinéma de Hong Kong avait quand même été largement diffusé dans les salles de quartier, mmh. mais avec. Des euh, karaté. Voilà, avec des films, voilà, ce qu'on appelait des films de karaté avec des VF euh, voilà, quand même. Avec euh, des, euh, des euh, titres. Voilà. Là, et Tant on emporte mon nunchaku. Voilà, dans voilà, le chinois tant qu'il est chaud. Euh, Wang Yu, Wang Yu fait, fait rougir le fleuve jaune. Wang Yu n'aime pas les canards boiteux. Ah oui, J'irais verser du Newham sur ses sur tripes. Trip, voilà, Vous exactement. exactement. <laughs> voilà donc, des quoi. titres chamarrés, assez ouais, euh, des C'était pas pris très au sérieux, quoi. C'était pas pris très au sérieux, mais bon, comme euh, le cinéma <laughs> italien de l'époque, comme euh, le cinéma érotique aussi. Enfin voilà, tout ça, c'était considéré comme du cinéma. l'exploitation Voilà, c'était pas le, c'était pas le grand cinéma. Et c'est vrai que les cahiers. Moi, autant que je me souvienne, dans les années 70, mais pas que les cahiers d'ailleurs, il hein, me semble positif peut-être un peu moins, mais les, les grandes revues françaises avaient comp été complètement passées à côté. D'ailleurs, tout le monde était, était passé à côté, à part justement les, les geeks euh, tarantinesques et ce genre de... Voilà, les spectateurs finalement qui euh, voyaient quelque chose que, les, que la critique, en fait, ne voyait pas à ce moment-là, et faute aussi de, de, finalement de, de sérieux dans la distribution. En fait. Alors ça en passait souvent par les, les quartiers de type Chinatown. Ouais. Euh, ou le 13e Barbes, déjà, France, et puis en France, en France ensuite. le 13e aussi. Euh, aussi hein. Effectivement, bah, les Carpenters dont tu parlais tout à l'heure, ou Tarantino plus tard, c'est souvent par ces biais-là. Et puis en France, effectivement, mm. c'est là aussi que c'était possible de voir des de sous-titrés mais parfois euh, alors souvent euh, sous-titrés. Alors il y avait des copies qui circulaient aussi, parce que comme il fallait bien les diffuser sur les territoires euh, concernés par la culture chinoise, il y a parfois au moins des sous-titres, euh, par exemple en, en mandarin simplifié mm -hmm. ou des choses comme ça, et donc parfois aussi parfois, en mandarin anglais, anglais ouais, donc ça, ça permettait ouais. de, de voir quand même un qui de Et justement, dire, c'est une exception assez notable, parce qu'en fait, euh, A Touch of Zen avait été présenté à Cannes, Grâce à Pierrician. Euh, exactement, grâce à Pierrician. Un petit peu ap après, puisque le film est de 70, il n'avait pas marché. Il à... était présenté en 75. Il a pré ouais. présenté seulement 5 ans plus tard, mais dans son montage, quasiment souhaité ouais. à l'origine. Par... Alors qu'il avait été par diffusé euh, voilà. par le, à cause de ce gros Margoulin de, de producteurs euh, euh, du film, qu'il avait été diffusé en deux parties en fait euh, à Taïwan et avec une première partie qui avait été diffusée sans prévenir le public, qui allait avoir une deuxième partie, ce qui fait que personne n'avait rien compris au film. <laughs> ah, Pierre Pierrician nous... avait noué effectivement des liens avec ah, Il Rissian... lui avait demandé de remettre les mains dans le, dans le montage pour reconstituer à peu près et présenter le film où il à Cannes où il avait eu un prix. Pierre Essian qui a disparu il y a quelques années mais qui était un très très important euh, oui. pour le cinéma asiatique au sens large oui. la Corée aussi beaucoup. et puis sa diffusion pas seulement en France mais même euh, aux USA parce qu'il y a quand même pas mal de contacts là-bas et donc le cinéma philippin, le cinéma coréen, le cinéma japonais, oui, le cinéma broca, chinois il a fait pour mm -hmm. le broca il me semble. Donc il énormément fait pour ce cinéma, là expliqué... Les... Et voilà. comme on dit. Oui, effectivement, si nous, je pense, si nous années qu'on suivit on a pu avoir accès à, à ce genre de cinéma, c'est aussi parce qu'un mec comme Pierre Rissyan ou comme, euh, comme Bertrand Tavernier l'a aussi aidé euh, à diffuser hein, mmh. un certain genre de cinéma qui était assez mal considéré. Et puis tout là, ça, 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 après, ça, ça, ça a essayé, justement, bah, sur euh, les Christophe Gans, mmh. sur les Christophe Lemaire, sur tous ceux, enfin, sur notamment Christophe Gans, qui ensuite va faire HK et qui va... Remettre une couche à partir de la fin des années 90 et qui va, les... voilà, qu va vraiment contribuer avec Dionnet à mettre euh, et quelques autres à dire regardez, il se passe des trucs à Hong Kong, où il se passe des trucs d'ailleurs dans d'autres pays. Et, euh, et c'est vrai que c'est marrant de voir comment c'est -ce une espèce de construction comme ça qui s'est fait au fur et à mesure. Euh, et qui a bénéficié comme vachement aussi de la comment dire, de, de, de l'évolution des supports mm. c'est à dire que tant que c'était limité aux, aux salles de quartier ça restait ghettoisé en fait finalement et c'est vraiment le... Alors, le la VHS VH, dans un premier temps mais VCD. surtout le, surtout le DVD en fait dans les années 2000 qui a vraiment contribué à permettre de voir dans des copies correctes et en VO des films qui avant n'étaient diffusés qu'en VF et dans des copies parfois euh, soit tronquées, soit quand même bien usées. Bien usées quoi. Mais c'est vrai que même avant, avant les VHS, donc HK existe en DVD, d'abord en VHS aussi, et puis même avant, Christophe Gans a eu une première collection dont le titre m'échappe, où il avait notamment sorti l'enfer des armes de tsar de il me semble. Et donc euh, on disait justement de mettre en valeur et de mettre en relief. C'est un peu le cas aussi dans ce coffret de Spectrum, parce que outre donc euh, un de ses gros classiques qui est les rondelles d'or uh, come drink with me, qui est proposé en Blu-ray mais aussi en version... UHD donc euh, ultra HD euh, copie de ouf pour ceux mmh. qu'on des super de super télé ouais, de la mort super télé de la mort c'est moins mon cas mais donc il y a aussi euh, quatre autres films euh, qui sont probablement moins connus justement mmh. que ces grands chefs d'œuvre il y avait donc euh, a Touch of Zen et on, on parlait dans le premier coffret de Raining in the Mountain par et exemple Dragon Inn aussi voilà, voilà. c'est <laughs> ça Dragon Inn donc là comme je le disais en intro il y a quatre autres il y a cinq autres films il y a Son of Good Earth qui est donc le film qu'il réalise avant mmh. euh, comme dream With Me donc plutôt voilà. les rondelles en français ça. Donc effectivement on peut redire un mot de la carrière de, de Kingu. Euh, lui il est, il est de Pékin, et il, va il va fuir euh, comme beaucoup au bout d'un moment le, le communisme et puis donc arriver à Hong Kong, mais sa carrière va être un il va se fâcher très vite avec la Show Brothers où il fait ses premiers films, donc notamment le, son deuxième qui est dans le coffret son, Sons of Good Earth, un film de guerre. Qui Qu est euh, ambitieux, oui, oui, assez ambitieux d'ailleurs, moi j'ai été assez surpris. Hein, pour un euh... film donc, euh, qui revient sur le, le, la résistance oui. face à l'occupant japonais et puis ensuite ce coup d'éclat que, que sera L'Hirondelle d'Or en, en 66 mais très vite il va se fâcher avec... Euh, Run show de la show Brothers parce qu'il était pas lent. un mec facile, euh, parce que surtout parce qu'il on lui reproche surtout d'être trop lent. où c'est vraiment un, vraiment un esthète ouais. euh, et c'est vraiment un perfectionniste. Mm. Et, il, et ses tournages s'éternisent. On voit le résultat, nous on peut l'apprécier, mais ça, ça fait grincer des dents. Euh, ah, ça de marchait, direction. ça correspondait pas au système en fait. fait. Il fallait absolument produire, produire, produire. Il quoi. a mis parfois un an à faire des films, mm. donc, ce qui est pas du tout entendable. À, ce à qui à est ce qui est aberrant pour Hong Kong, ce hein. qui fait qu'il va partir à Taïwan. Euh, avec souvent alors, des systèmes de, plutôt de coproduction. Euh, il y aura un film par la, produit par la Golden Airverse, donc, donc de Raymond Shaw, qui, qui, a, qui a quitté la chaussure. C'est l'auberge du printemps, c'est ça C'est l'auberge du ça. printemps, effectivement. Euh, et puis, donc, au, au, au cours des années 70, c'est plutôt Taïwan, mais ces films, c'est les plus connus. Enfin, excusez-moi, ils sont tournés à Taïwan et c'est les plus connus. Et ils ont été assez bien distribués, via, aujourd'hui encore en DVD, Carlotta, et un petit peu Spectrum Film. Et puis, fin des années 70, il y a deux films, un diptyque en Corée parce que c'est aussi l'époque où la dictature coréenne essaye un peu de faire rentrer des fonds et donc accueille des tournages parce qu'ils ont bien conservé leur temple ou leur palais et donc euh, Raining in the Mountain et Legend of the Mountain sont tournés coup sur coup, mm. l'un plutôt dans les palais l'autre plutôt dans les décors naturels de Corée et puis les années 80 seront moins fast pour King Woo il aura du mal à, à prolonger Il avait des problèmes de santé aussi je crois, enfin, il, il a eu, eu pas des... mal de problèmes de oui. santé à partir des années 80 Mais le, le coffret nous permet quand même d'avoir mm. accès à des films dont on avait peu vu de traces jusqu'à présent, ou parfois dans des copies lamentables. Jusqu'à son dernier film, The Painted Skin en mmh. 93. Qui super rigolo. C'était un, <laughs> un, un film. qui beaucoup, plu. beaucoup plus. Qui est un film plutôt de fantastique hein, qui bah, en fait, flirte avec euh, l'histoire de fantômes chinois. C'est ouais, la même source ah ouais, de, ouais. à l'origine. Qui c'était tiré d'un auteur qui l'appréciait ouais, beaucoup. Qui s'appelle Pou Pou Songling, Et donc sur ces contes fantastiques qui étaient rassemblés dans des recueils qu'il aimait beaucoup et qu'il avait eu l'occasion potentiellement d'adapter en 70 dans un autre film du coffret qui est euh, Formwoods dont trois des sketchs sont tirés Il de... l'a il a, il a adapté plusieurs fois parce que Raining in the Mountains s'est inspiré de, 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 ce, de ce folkloriste et il me semble que Touch of Zen aussi mais ce qui est étonnant, c'est que pour Formodes, il pouvait enfin adapter directement. Et c'est le seul des quatre qui n'adapte ouais. pas, pour le coup, une histoire de fantôme, qui fait à nouveau ces films plutôt de, de wu Pian, mm -hmm. hein, de, qui sont beaucoup basés sur les espionnages entre les ah, personnages. Bah ça, ouais. Et les tensions qui montent, les nœuds qui se filent... Un, un, assez complexe à suivre, et puis au bout d'un mmh. moment ça se règle à coup de des nœuds, des de trahisons, des, bah, des, des, regards déchecs, des jeux échecs. Ouais, des espèces de d'échecs live en fait, euh, voilà, de, de, de pièces d'échecs ou de jeux de go comme ça euh, à l'intérieur d'une auberge avec euh, voilà, des, des personnages à la place des pions. J'adore ça chez lui, moi. C'est en ça qu'il est génial, c'est là qu'on voit à quel point c'est un grand cinéaste parce que c'est un cinéaste du, du mouvement et de l'espace. On apprend de soi l'espace intérieur, ça se passe souvent dans des auberges. Il adore ça, il reprend souvent. Ou des les espaces, espaces contraints, il aime bien quand même. Il contraint, il aime beaucoup. Il est vraiment est ce que tu disais, c'est un jeu comme ça de chausse-trappes, ouais, ouais, ouais. d'espionnage et autres. Et c'est aussi les jeux de regard hein, qui fait quoi On se surveille, on se guette, on se joue. Ça, c'est avec un côté, moi, je trouve très westernier. Moi, oui, je oui. Trouve dans ce dans, ce, dans cette, ce, ce, ce truc très psychologique de de gars qui cachent des trucs, oui. mais comme tout le monde cache des trucs et on essaie de, tout le monde essaie de savoir qui, a, qui cache quoi et à on qui on prêche le faux pour savoir le vrai ah ouais, et ouais. on dit que les rondelles d'or a été assez marqué par le western spaghetti on est deux ans après le premier léon de, de la trilogie des dollars donc ça commence à circuler internationalement ce genre de film donc il euh, y a eu cinéma japonais aussi quoi effectivement ça c'est beaucoup euh, lié au, aux chorégraphies hein. on voit bien comment les atoichi ont, ont essaimé dès le début des années 60 après dans le reste de l'asie les chorégraphes euh, hongkongais insistent sur le fait qu'ils ont été marqués par ce qu'ils faisaient au japon mais ils ont apporté aussi l'opéra de pékin ils ont apporté les ah ouais. cabrioles ils ont apporté les trampolines, Ils ont qui devient emportent... d'ailleurs de plus en plus littéral et présent en fait dans la carrière de King oui, Wu, au fur et à mesure qu'on avance en fait. fait. Avec la musique qui ouais. est reprise directement ah bah, de l'opéra, qui ouais. marque les jeux de regard, les arrêts, les pauses, les coups échangés. Parce que c'est vrai qu'à ce temps du cinéma euh Hong Kong, Taïwan, début des années 70, et il y a effectivement tout un réseau d'influence. Tu parlais du cinéma japonais, avec le Shambhara, où ils ont un style de combat qui est quand même assez spécifique. Ouais, Kurosawa surtout, hein. voilà, ben surtout avec Kurosawa. Euh, bah en tout cas. les cabrioles de l'opéra de Pékin, une influence d'un certain cinéma européen, donc plutôt le cinéma d'exploitation, on va dire, où il y a comme un agrégat de genre, mais qui pourtant a une... une une spécificité et puis des thématiques qui seront 100% euh, chinoises. Quoi. Oui, bah c'est là qu'on <coughs> voit Kingou apparemment qui était un grand lecteur, un grand collectionneur de livres. Il, co il, est, il connaissait l'amateur d'art de Il savait faire de la calligraphie, ce qui n'est quand même pas rien. Il, 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 il a fait, ça le fait le des, sens, des hein. études de beaux-arts, puis il venait lui-même d'une famille d'intello. En fait, oui, hein. on, on le sent beaucoup. Il et a une les... tête d'intello. Mais il faut ouais. noter une chose je salue le, le module consacré à ce sujet dans le coffret assuré par Fabien Moreau sur le fait que l'un des chefs opérateurs, notamment de et et qui a été important au, au, à Hong Kong à l'époque ou Taïwan, hein, parfois les tournages étaient à cheval. C'est un opérateur à l'origine en fait japonais. Il est souvent connu sous mmh. son pseudo euh, adapté pour le public chinois, mais en fait c'est un, un, un opérateur japonais qui a travaillé d'abord au Japon et qui est venu. Nishimoto Tadashi. Voilà, au cours des années 60, il me semble. et Il a notamment euh, apporté avec lui la, les, les brevets euh, un peu bidouillés du Formascope que les gége abonnés avaient déjà un peu bidouillé à partir de ce que les américains qui avaient eux-mêmes le, le, -scope, le français, il y a eu du effectivement et il a apporté avec lui cette technique là ce qui a permis le développement de, du show du showscope show en fait du, du Formascope de la show Brothers et du coup une gestion aussi du corps et de l'espace dans ces plans beaucoup plus larges que Kingu va magnifier, enfin, il a un sens du cadre incroyable. C'est enfin, c'est vraiment et montage et du montage. Et ouais, du montage c est, c est, moi, je sûr. trouve que c'est un super montage. C'est un grand inventeur de montage, il est l'un des premiers à pousser si loin la, la durée de plan très très réduite. En fait, hein. il a des plans qui ouais, de avec et avec un sens de moi ce que ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il a un sens de l'ellipse à l'intérieur d'une scène d'action. C'est-à-dire qu'il va, va montrer par exemple l'amorce d'un saut et dans le plan suivant il va montrer. Euh, je pense à un plan de Reading in the Mountain notamment. Il va montrer le, le type Kateri et en fait, il, il joue beaucoup sur l'idée qu'en fait, notre cerveau va compléter les actions. Et ça, je, moi, je, voilà, moi je suis très 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 fan mais de ça au C'est ah, ah, on ça. Je, je suis... à quel point il a influencé mm -hmm. ah, Soyark, hein, bien sûr. Ah, bah non, mais attention, toute façon, c'est pas pour rien que, que, que Ark lui a donné, euh, a voulu lui faire réaliser Swordsman, sauf qu'il me semble qu'il est tombé malade. Et du ah coup, oui, euh, ça s'est de... voilà, terminé euh, avec Anoui, Anoui, Ark, et puis l'autre dernier, ça devait être Shinxiu, Shinxiu Tung, oui, oui, effectivement, ils ont dû euh, reprendre la quasi-totalité ouais. du montage. Il paraît qu'il reste que quelques plans de, Il de reste, que C'est la scène d'ouverture, je crois, qui reste, essentiellement, qui a été réalisée. Et c'est marrant parce que. Puis que Charles, de toute façon, vu qu'il s'est pris les têtes avec tout le monde au bon moment, c'est peut-être ouais, aussi ouais. que ça a pris qui nous... Hein. Mais, mais euh, je, je trouve aussi que le... chez Johnny Toe aussi, on retrouve, hein, pour moi, sous une autre forme aussi, parce que c'est passé à travers un filtre Kurosawa-esque aussi chez Johnny Toe. C'est une espèce de mix un peu entre les deux. Euh, mais c'est marrant parce que justement, on retrouve ça dans le, ce côté. Euh, Quelque part un peu frustrant en fait de, la, de sa dernière partie de carrière. Euh, on retrouve ça dans le fait qu'il participe à des films à sketch en fait. Ce qui fait qu'on regarde un film de deux heures et demie, puis en fait il y a euh, 40, 40, min, minutes, voilà, oui. 40 minutes qui sont, qui sont, de, qui sont de King Wu Ce qui ne veut pas dire que c'est forcément nul par ailleurs d'ailleurs, parce que euh, autant four -mode, dans Four -modes, moi j'ai trouvé que le King est. Je trouve qu'il est quand même au-dessus au -dessus oui. des autres. Euh, autant dans, comment, dans, oui dans, of dans, dans Wheel oui, of Life, fait, moi j'ai ouais. ai vachement aimé Wheel of Life et j'ai trouvé que. Ça, 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 ça se tenait plus, entre guillemets, en, d'un point de vue thématique et même d'un point de vue formel. Alors, c'est peut-être le fait qu'il y ait les mêmes acteurs aussi, que ce soit un truc avec des histoires de réincarnation. Mais j'ai trouvé, euh, trouvé notamment, moi j'ai beaucoup aimé euh, dans The Wheel of Life le côté euh, bah, très du, du, du sketch de, de King Wu et le côté presque documentaire du sketch contemporain avec des scènes de trans et de chamanisme euh, taïwanais. Euh, Assez... Enfin, moi, j'ai trouvé Et assez, taoïsme, euh, assez, en fait, bluffante, ouais, assez bluffante. Et sur les, les rapports assez mmh. tendus de, entre taoïsme, confucianisme, mmh. bouddhisme, c'est assez, assez intéressant euh, pour ça, son caractère documentaire ou documenté, en effet. Là, là où je trouve parfois les, les films à sketch euh, sont moins intéressants, c'est euh, notamment les sketchs de Li Xing, qui est un, un cinéaste taïwanais essentiel, mais. Qui est, un, qui est très très conservateur. Ouais, qui a euh, qu moins de verve qu'à moins de. Voilà, on sent c'est quasiment du cinéma de propagande, hein, c'est-à-dire sur les valeurs confucéennes, c'est très lourd, quoi. Et c'est un peu rédactif par King, rapport. Alors, à la, alors que Kiyuuu, qui, je Maistre, pense, 13, était, euh, était, assez, était quand même, dans Touch of en tout cas, on a l'impression que c'est quand même quelqu'un qui est assez croyant, quoi, quand même. Il est et sûrement et... habité par une spiritualité. Ouais, mais il est moins dogmatique. Il est moins dogmatique, et surtout, il montre bien, je trouve, euh, en fait, il a, il a une approche qui est une approche assez moderne dans la mesure où il n'hésite pas à montrer le, le côté tartufesque de, de certains rites religieux. Et je pense notamment à Raining in the Mountain où euh, les jeunes bonzes regardent les jeunes voilà, femmes qui se ça, baignent. Là, ça, c'est super scène le rapport entre le corps et l'esprit, le, le euh, où les, bisbis, euh, il y a, les bisbis il y taoïstes il n'y a pas d'hypocrisie en fait euh, du dogme ou de. Ouais, je pense que ce qu'il montre sur, enfin moi pour moi, ce qu'il essaie plutôt de montrer, c'est le fait que c'est pas si simple que ça. Ça travaille, ça travaille voilà. tout le et, que, et que le désir euh, et qu'on peut essayer d'être pur esprit, euh, on est aussi corps et que le désir et que les pulsions sont quand même toujours là, que ce soit des pulsions de violence ou des pulsions sexuelles. Et je, ça, c'est un truc moi je trouve très intéressant chez lui parce que je pense que c'est incroyant, mais c'est incroyant pour moi au sens où Scorsese est, est incroyant. Il <laughs> ouais, y a quelque chose comme ça. C'est qui qu'à conscience des contradictions aussi entre son idéal spirituel et puis la, la réalité matérielle dans laquelle, dans laquelle il vit C'est exactement comme Pasolini euh, entre le marxisme oh, bah, euh, comme Pasolini, hein, et le catholicisme. Bon. C'est vrai que le fait que deux des films du coffret soient des films à sketch, mmh. ça permet aussi de situer Kingu dans un, ouais. un, un environnement, de ressentir son style. Par rapport qui, à ses se reconnaît un... immédiatement. Ouais, tout de suite. C'est ouais. vraiment Puis il y a des acteurs récurrents. Moi, euh, bon, il y en a un que j'adore. J'ai bouffé son nom, hein, mais il y en a un que j'adore qui apparaît d'ailleurs dans, dans les deux films à sketch, qui est ce, ce petit mec qui joue l'espion euh, dans Raining in the Mountain. Et qui a un visage très très Anger, le tenancier de l'auberge effectivement. Et qui est super. Et lui, en fait, il y a, la, il y a deux acteurs secondaires. Et là encore, j'aurais dû noter les noms avec moi. J'aurais dû les ramener avec moi. J'ai pas bien fait mon travail. Mais il y a deux acteurs que moi j'aime beaucoup chez lui. Alors il y a, a d'une part il y a ses acteurs principaux, que ce soit euh, les femmes que je trouve toujours superbes, ou euh, cet acteur. Euh, comment, comment... Feng ou. Voilà, ou exact, Pei -pei exactement. Exactement. Et pour les hommes, ouais. c'est cet acteur à la dentition euh, à la dentition que <laughs> moi je trouve génial. Euh, qui s'appelle sous ou quelque chose comme ça et lui, je le, lui je le, il les joue dans quasiment tous ses films. Il y a Uma et... aussi, a ouais. un, un type un peu rablé assez assez marquant. Et là, alors y a, voilà et puis il y a les mecs les mecs au les mecs avec des visages au couteau qui jouent toujours des seconds rôles de méchants hein, donc euh, soit des hommes de alors souvent les hommes de main alors donc il y en a un qui je crois que était son chorégraphe hein, qui joue dans The Touch of Zen euh, voilà et j'aurais dû là je, je m'en veux euh, je m'en veux ardemment j'aurais dû noter tous ces noms et puis il y a ce petit ce petit ce petit gars qui joue justement le tenancier de L'auberge euh, dans le sketch de Four Moods euh, qui joue aussi dans Raining in the Mountain, qui joue euh, aussi l'un des compagnons dans le, dans le, dans le deuxième sketch euh, de Wheel of Life avec euh, la, la troupe d'opéra. Euh, et qui est un super moi, je trouve qu'en fait, il arrive vraiment à, à, à faire donner le, le meilleur de ses acteurs. Ce qui font que ces acteurs sont moi, je trouve qu'ils sont jamais interchangeables en fait. Ces acteurs, -à dire qu'au bout d'un moment, on, on regarde les films de Kingou et on dit ah, cool, il y a lui, il y a lui, il y a lui, il y a elle, il y a lui, il y a elle, c'est cool. Voilà, c'est que des acteurs où tu dis ah, oh, t'es content de voir quoi il faut dire que... aussi qu'il qu avait un minier. talent de enfin voilà pour les les rôles en fait il, ouais, a, ouais. il a il a, il a embelli ses acteurs comme personne il sait les cadrer mm. cadrer leur visage la force de leur regard qui mm. se lance notamment de Chen Pei, Pei de Xu Feng ensuite qui reviendra beaucoup et puis aussi de la comédienne qui joue dans l'auberge du printemps qui aura, euh, de pardon l'auberge du dragon qui est Dragon Inn qui aura qui poursuivra pas sa carrière avec lui mais qui est aussi très marquante mm. il savait les, les magnifier comme personne et même Sylvia, euh, Sylvia Peng qui joue dans qui joue dans, dans, dans... Don't be the fly for? Euh, bon elle a des, des tenues contemporaines la partie contemporaine elle a des tenues euh, jaune poussin euh, un peu voilà un peu un peu, un peu, un, peu Kong, un peu HK un peu HK mais euh, en costume elle est superbe moi je trouve elle, elle je trouve qu'elle est belle comme tout et j'aime bien justement ce trio là avec cet acteur qui a l'air un peu un peu fallo, mais qui finalement est pas mal et puis bah justement l'antagoniste ce fameux acteur à la gueule avec, avec ses ses dents euh, ses dents un petit peu un petit peu proéminentes et, euh, et lui je l'adore quoi c'est lui qui joue le rôle principal dans Dragon Inn, et lui je trouve et franchement j'ai vu il y a pas longtemps de Goodbye Dragonin de, de Timing Long ah oui. et il y a une superbe scène qui est passée pendant, ouais, traveling. Est passé pendant traveling et en fait j'avais fait le test Dragonin et Goodbye Dragonin alors qui sont pas du tout les mêmes films Goodbye Dragonin c'est mais... des plans de 5 minutes sur des salles vides hein, donc c'est hyper 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 lent par contre il y, euh, y a une scène dans le film qui est euh, moi j'ai trouvé hyper touchante où tu vois justement cet acteur qui, 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 a, qui se regarde lui-même, qui se fait, regarde hein, lui-même et qui pleure de, 30 qui, ans après, qui, qui ouais. pleure 30 ans après sur ça. Et je, moi, moi, ça m'a beaucoup ému, hein, quand même, parce que et je me suis dit ah, toi je t'aime bien. Et en fait <laughs> je, me, je me souvenais de lui en fait, tu vois, quand j'ai recommencé parce que ça faisait un moment que j'avais pas vu Des King et En fait je me, je me suis dit, mais oui mais c'est vrai qu'il y a cet acteur qui est cool là, qui est toujours bien dans ses films et tout. Et ça c'est un truc moi que je re, tu vois que où c'est quand même très différent tu vois justement de Chang Chee ou tu vois <laughs> ou de ou de gens comme ça où il y a cet acteur il y a il y, y a aussi ce sens des acteurs mais moi le côté chaleureux chez euh, il ouais, ouais, ou... y a il y a le, le, le ils sont ils sont plus ri, entre guillemets rigides je sais pas comment expliquer ça là je trouve qu'il y a une espèce de ils leur donnent des trucs à jouer souvent assez différents ça bouge et euh, ouais et puis euh, et puis moi j'aime beaucoup les rôles féminins j'aime beaucoup le fait que les femmes chez King c'est des femmes de tête il voilà, y a pas de il y a pas de gourdasse de, de, de comment dire de princesse de princesse en détresse qu'il faut aller se sauver et ou se alors s'il en a si, ou alors voilà ou alors s'il en a ça finit par se retourner et je trouve que les personnages féminins sont toujours formidables moi je chez, chez sur l'hirondelle euh... d'or qui, qui ouais. est au, ah, bah, au cœur du coffret c'est l'un des personnages de l'histoire du cinéma les les plus impressionnants de, de tous les temps en fait hein. bah, faut c'est une vraie héroïne badass quoi une vraie héroïne Sacré volatile voilà. Avec ce truc toujours qu'on trouve beaucoup dans le cinéma de Hong Kong et qui est un peu difficile à comprendre pour les Européens, qui est le, la question du travestissement. Oui, c'est toujours des personnages euh, mmh. potentiellement ambigus ou en tout cas à mmh. un, un moment qui se font passer pour euh, l'autre genre ou alors qui sont parfois d'ailleurs euh, à ce titre euh, indéterminés. Mmh. Et ça, ça reste par Une Espèce de mot érotisme euh, qui est beaucoup plus franc chez Chang chi moi je trouve. Hein, qui est beaucoup plus. Chang euh, c'est beaucoup plus gay, moi je trouve, quand, enfin, en termes de sous-texte. Il te dira que non. Euh, moi, <laughs> moi, je dis que oui. Euh, là, c'est plus, c'est plus littéraire, on va dire, comme. Euh, voilà, on sent bien que ça répond à des codes littéraires, des codes de l'opéra aussi. Hein, ouais. Et je, et ça, j'aime, ouais, beaucoup aussi cette ambiguïté justement de genre euh, dans un dans un style de cinéma qu'on pourrait facilement classer. Euh, pour les gens, enfin la plupart des gens, le cinéma d'arts martiaux, c'est une espèce Tout de cinéma gros. viriliste, macho. Euh, je pense que c'est plus compliqué que ça n'en a l'air, <coughs> notamment à Hong Kong. On peut noter euh, aussi la, la présence de, des jeunes générations d'acteurs dans son mmh. dernier film, pentinskid des visages qu'on a plutôt vus. Euh, alors déjà, il y a Samo Wong, il euh, y a Joe Wong qu'on mmh. a plutôt vu chez Patrick. Ah ouais, Tam j j et moi j'adore Joe Wong. Euh, so euh, Sammo qui avait déjà 20 ans de carrière en plus. Hein. Effectivement. Donc euh, c'est pas son film le plus abouti. Les, les, les premières 20 minutes sont assez, assez laborieuse et après ça décolle notamment ah ouais. par euh, l'imaginaire fantastique ouais, ouais, ouais. qui, qui s'insère vraiment ah ouais, et qui vraiment de ce yard, ouais, moi j'ai kiffé les bannières les les bannières, euh, bannières qu'on plante dans le sol qui permettent de faire des, des trucs de vent puis je te balance des barchemins pour bloquer le démon le démon du yin et du yang avec les, les ces sbires qui ont des, des masques amovibles enfin c'est vraiment le genre de délire euh, histoire de fantômes chinois enfin euh, je trouve qu'il est voilà moi j'ai moi j'ai ça m'a beaucoup la deuxième partie m'a beaucoup plu voilà. la première partie est un peu poussive effectivement mais la deuxième est vachement bien donc c'est le coffret king ou volume 2 très beau coffret de, qui est sorti il y a quelques semaines chez Spectrum Film, qu'on remercie encore quand même de proposer. Une... C'est incroyable, c'est des films invisibles mmh. jusqu'à présent. On hein, a quasiment tout maintenant. Euh, à part l'Hirondelle d'Or, là. Ils sont dans allés des copies euh... variables, mais quand même des copies carrément regardées. Ah ouais, moi, 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 je pensais pas un jour voir ces films-là. Je pensais pas un jour voir ces films-là. Donc, euh, on va quitter Taïwan et Hong Kong on va aller vers un pays moins riant, la Suisse. en attendant Godard sur Syllab, et donc c'était le groupe NN avec S. Anarchoista. Et donc, d'anarchiste, il va en être question, à l'occasion de la disponibilité chez Lac Film en fin d'année dernière, de Désordre, film de 2022 de Cyril chaublin, film suisse, hein, c'est pas souvent qu'on parle ici de film suisse, qui donc, euh, le film se déroule lui-même dans le Jura suisse, euh, au mi-temps des années 1870, et nous suivons notamment notre ami, notre camarade, notre frère Pierre Ekropotkin, qui donc... Pietre. Piotr Kropotkin qui donc est parti de schiller pour aller faire un tour en Suisse car la Suisse a été quand même connue pour la, à la fin du 19e siècle comme étant un des berceaux de la pensée... Euh anarchiste de manière euh, générale il y a beaucoup de penseurs qui sont passés par là pour, probablement parce que les conditions étaient peut-être euh, plus sympathiques euh, qu'en France où les anarchistes se faisaient buter ou en tout cas accusés de tous les maux alors qu'ils étaient quand même bien sympathiques et donc euh, le film va suivre donc Kropotkin euh, qui se fait passer pour un photographe pour aller fouiner un petit peu partout dans ouais, les il était géologue, il, il était il était géologue petite... oui un cartographe. cartographe, pop-off. Et aussi donc des ouvrières d'une usine de fabrication de, de montres. Et donc évidemment, par là, nous allons bien voir comment est-ce que le, cap le capitalisme s'est installé et a pris place en Occident, avec cette question évidemment qui est capitale, qui est la maîtrise du temps. <laughs> quelle heure est-il <laughs> est <laughs> Qui est la maîtrise du temps, car si on maîtrise le temps, et notamment le temps de fabrication et le temps d'occupation de cerveau des ouvriers et des ouvrières, c'est le meilleur moyen... Donc, évidemment, de les contrôler et de faire avancer euh, le capitalisme que l'on aime tant. Alors, je sais qu'ici, euh, c'est partagé. Moi, je serai un petit peu le suisse euh, de, de l'affaire. Euh, Erwan et Simon ont beaucoup aimé. Et Thibaut a moins aimé parce que c'est trop près de son pays natal. Donc, euh, je pense que ça le travaille un petit peu. Mais donc, euh, nous allons commencer par les bons points, Simon. Oh là tu me prends de court parce et que oui. j'avoue que le, le film date un peu dans mon esprit mais ce qui m'a beaucoup marqué c'est ce que tu viens de dire, c'est ce, ce, cette façon qu'on a de comprendre discrètement parce que c'est pas affiché d'entrée de jeu, c'est au fur et à mesure des relations qui se, qui se nouent et des échanges aussi toujours sur un ton euh, très, courtois, très courtois entre euh, les ouvriers, très <laughs> ouvriers, les ouvriers très mais la police aussi qui qui police hein, au sens ah bah, des du, gendarmes sympas du, du, du terme les, les relations humaines et on comprend à quel point effectivement le temps va être central le temps de l'église le temps de l'usine le temps de la mairie comment le temps de la narration il, il faut il faut mettre à l'heure les individus en fonction des des, pré, des des priorités et on voit bien comment l'usine va, va prendre les, le va prendre pas. le dessus parce que son, son le temps de son horloge et l'heure de l'usine est plus importante bah, que bah, Disons que le temps c'est de l'argent en plus, là. et puis ce temps ne capote pas, ce qui fait que euh, on peut, on va, on va pouvoir compter sur lui, mais du coup, ça veut dire s'aligner sur les, les besoins de cette, euh, cette usine. La parole à l'attaque, Thibault, Nous pensions que vous étiez un camarade. Non, mais le, le, le film, comment dire. Le, moi, je en, en regardant le film, moi, j'ai, beaucoup pensé à à First Cow de Kelly Reichardt, mais autant dans First Cow de Kelly Reichardt, je trouvais qu'il y avait de la vie, autant ce film-là. Je trouve que c'est un film, non pas qui sent la naphtaline, mais qui est une espèce de film mort-né, dans le sens où, en fait, tout, euh, vous avez parlé d'espace pour euh, King Wu. Euh, le film également parle de, de temps. Le temps, c'est de l'argent, ça, on l'a bien compris. Et je trouve le en cinéma, c'est du temps. Oui, mais en fait, ici, en... je trouve que, que le film est mort, en fait. Je trouve qu'il n'avance pas, alors que, que ce soit la pensée révolutionnaire. Où la pensée capitaliste sont des pensées qui avancent, alors euh, une qui avance dans le bon sens du terme, qui essaye d'agglomérer d'autres systèmes de pensée, l'autre qui va droit dans le mur, bien entendu, le système capitaliste qui va, qui nous, qui nous mène droit dans le, dans le mur. Et ici, en fait, j'ai l'impression qu'il qu se passe rien, en fait, tout est tellement neutre. Tout est tellement trop léché parce qu'il y a une belle chorégraphie des personnages à l'intérieur du cadre. Les cadres sont magnifiques, même les espèces de décadrage, un petit mmh. peu là des, des, des personnages. Je ne sais pas s'ils sont filmés en plan italien, plan américain, enfin plus, ou en plan moyen. Enfin, tu sais pas trop, trop. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a une vraie recherche esthétique à ce niveau-là. Mais j'ai l'impression d'être devant une, en fait une fiche Wikipédia. Et la première séquence du film me rappelle ça. En fait, on est sur, on est un petit peu dans un. Des, 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 bourgeois, des personnages féminins bourgeois euh, boivent du champagne et discutent sur ce qu'est l'anarchisme, mais en fait littéralement ils il récitent une fiche Wikipédia et je, je trouve que voilà, je trouve que c'est figé autant dans son concept et du coup que la forme qui est passionnante la forme qui aurait pu être passionnante se fige elle-même dans un film un espèce de, 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 de tombeau de la pensée en fait euh, révolutionnaire et en fait je me demande voilà, si le discours du cinéaste ne va pas en l'encontre, enfin, si le film ne va pas en l'encontre de la volonté du, propre du cinéaste. Donc voilà, je trouvais ça un peu, un peu dommage. Et puis voilà, ça parle trop bien, tout le monde est courtois, tout le monde est élégant tout le monde est suisse, quoi. Ouais, mais et un peu de funky quand même, non Enfin, je sais pas. Tout ça est très plat, en fait. Très... L'anarchisme au cinéma, malheureusement, n'est jamais montré sous son côté un peu joyeux. En tout cas un peu non festif. mais bah, tant qu'à faire, autant regarder euh, une histoire de l'anarchisme de, de Tancred Ramonet. De Tancred Ramonet. Là. Euh, là, au moins on en, prend pour, euh, on en prend pour son cerveau, on en prend pour, euh, aussi pour ses yeux parce que les, les images sont incroyables. Mais euh, le travail de Tancred Ramonet est incroyable. Mais ici, voilà, et puis ça dure 1 heure trente et puis j'ai l'impression d'avoir passé 2 heures quoi, enfin et demi. 3 heures voilà je trouve ça dommage en fait bah, écoute moi je, te, moi je te rejoins un peu effectivement sur les premières minutes que moi j'ai trouvé un petit peu un petit peu trop euh, un, petit peu, un, une dissertation. Un, un petit peu trop pédago je trouve que ça s'arrange après en fait euh, notamment quand il laisse parler un peu plus les images. Euh, moi, ce qui m'a, moi, ce qui m'a, moi, ce qui m'a plu, en fait, ce qui m'a intéressé dans ce film-là, c'est justement ce parti-pris de ne pas faire un film sur l'anarchisme avec euh, bombes, euh, attentats, euh, anarchistes barbus, euh, mal rasés. Euh, euh, moi, justement, alors moi, et, alors, et quelque part, il y a presque quelque chose de, il presque un, quelque chose qui relève du monde parallèle, en fait, ou de, ou de l'Uchronie, c'est-à-dire qu'est-ce qui se serait passé? si euh, l'anarchisme en tant que pensée politique avait pu avoir le droit de citer à égalité avec les autres idéologies. Sans passer par l'action violente. Voilà, sans... Sans passer par l'action violente, mais effectivement avec cette espèce de politesse suisse où on se dit, euh, à la fois c'est complètement surréaliste d'avoir des policiers qui... qui qui poli, qui se, qui se comporte poliment avec des opposants politiques, euh, d'avoir un patron qui, qui conseille à un Italien de lire la presse anarchiste parce qu'il euh, y a moyen d'apprendre des trucs, euh, et, et de voir qu'avec cette idée, je trouve presque, euh, presque idéaliste l'idée qu'à ce moment-là, rien n'est réglé. L'anarchisme n'est pas encore euh, l'anarchisme en tant que théorie politique n'est pas encore cette espèce de truc ridicule où si vous sortez ça dans un repas aujourd'hui euh, même même des gens même dans un repas avec des gens de gauche on va vous dire ah oh, mais retombe sur terre voyons euh, on peut pas faire la commune anarchiste c'est pas possible euh, voilà et en fait possible, hein. c est, c est, bah, évidemment que c'est possible et justement c'est un film quelque part qui montre que ça aurait pu être possible parce qu'en plus comme c'est euh, oui mais que le système un... a été foutu en l'air voilà. par, par le système capitaliste et la collaboration mais oui, mais que, mais, de la gauche. Oui, mais, mais parce qu'il y a une, parce il y a aussi, une, il y a aussi une opposition entre, on va pas, pas faire tout, mais il y a aussi une opposition entre le, la, la, le, comment dire, le côté global du capitalisme et le côté local de l'anarchie C'est-à-dire que ne peut pas fonctionner au niveau du, du, de, de la terre entière. Il ça peut fonctionner par commune. Il peut fonctionner par commune, c'est-à-dire il peut fonctionner qu'avec des entités qui sont connectées les unes aux autres, mais qui sont autonomes les unes des autres. Donc ça veut, donc avec, avec absence de hiérarchie, etc., etc. Et je trouve que l'idée de me placer ça dans ce petit village suisse. Où on se dit bah ouais là potentiellement il y peut-être il suffirait que ça, que ça penche du côté des ouvrières et des ouvriers euh, et d'ailleurs il y a tout un truc autour justement de l'horlogerie et notamment de la question des systèmes de balancier. Et donc il y, la, il y a le rapport au temps mais il y a le rapport aussi à la, à la mécanique du temps en fait c'est-à-dire -ce, voilà comment est-ce que le temps qui passe en fait fait balancer les choses plutôt d'un côté ou de l'autre et que c'est pas un balancier égal contrairement justement aux montres suisses qui sont euh, voilà, qui fonctionnent qui fonctionnent là-dessus donc je trouve que effectivement peut-être peut un peu on peut lui reprocher effectivement d'être un peu trop euh, euh, à distance, en fait, ce film-là, de, de, oui, de manquer de chair, en fait, par rapport à. De manquer à la... quelque chose de viscéral. Voilà. Alors, je ne dis pas que toute pensée doit être viscérale, mais voilà, de manquer. De, de, tout simplement, de manquer de vie, en fait. C'est vraiment, vraiment ça. J ai, j ai, pas, on dirait un film de zombies. Alors genre. que justement, la pensée, la, pensée, la pensée révolutionnaire est une pensée qui est vivace, euh, qui qui s'alimente de tellement d'influence de, de tellement et là je... voilà le truc vraiment et ça déborde pas du cadre en fait et ça le problème j'entends bien ce que tu dis et c'est très juste mais je trouve que le film est et enfermé dans le cercueil de son propre cadre. Alors, moi, justement, je trouve que ça déborde du cadre. Je, 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 je termine là-dessus, mais il y a plein de références dans le film à l'idée que les personnages doivent pas être dans le cadre parce qu'on prend des photos. Il y a, a l'histoire du terme. télégramme en également, est qui est, est très le, importante. Le projet esthétique, moi, me semble mmh. cohérent. Pour, il mmh, nous montre mmh, bien à quel point tout ça est bien insidieux, que c'est pas frontal, que cette, euh, cette façon qu'a la police de prendre le contrôle mmh. de l'espace est au service... De, de certaines personnes, en particulier du capital. En fait, tout ça est monté sur, est monté les, sur ce ton... C'est les flics doux. Qui, donnent, qui montent les horloges aussi, qui montent les horloges. En fait, on hein. voit bien comment la société se met à l'heure de ce capitalisme, mais de façon très insidieuse, et qu'il y a beaucoup de choses qui, qui passent plus de facilement façon, sur ce qui leur paraît naturel. C'est ça. Mais en revanche, il euh, y a aussi une résistance... Euh, discrète, mais qui, qui est mis en avant par la mise en scène, par le rapport au son, aussi qui on entend et mmh. qui on, on met en avant par la, le point d'écoute et non pas seulement par le point de vue. Mmh. L'attention qui est portée aux gestes attentifs des ouvrières, c'est ça qui est important. Et puis j'aime beaucoup aussi sur la fin ce qui se noue entre une, une des ouvrières en particulier et Kropotkin, euh, tandis qu'elle lui explique son travail de façon assez précise, voire très minutieuse, et on ne comprend pas tout, tout ce qu'elle nous dit parce que c'est vraiment très précis. Lui-même, on sent bien qu'il est un peu perdu. Mais ce qui compte, c'est qu'il l'écoute, en fait. Et cette écoute-là, mm. elle, est, elle est très touchante, déjà à l'échelle politique, mais aussi, en plus, potentiellement, je pense qu'il y a une sorte de, de, de romance potentielle qui se noue. Et et c'est dans l'air qui euh, passe entre euh, euh, eux. Et par le rapport à la lumière, rien ne nous est imposé. Donc, il euh, y a des aspects négatifs qui sont insidieux, mais il y a aussi beaucoup de choses qui passent un peu souterrainement et que je trouve très beau. Et donc, je pense qu'il y, y a une cohérence esthétique de l'œuvre qui, qui c'est vrai, n'affronte rien frontalement. Euh, mais qui nous oblige à, à être attentifs aux moindres détails qui, qui circulent entre les Il y, y a la question de la carte aussi qui est très intéressante, ouais, ouais. Euh, où, un moment où, en fait, on décroche une carte et on remet la carte anarchiste. La carte anarchiste. La hein. carte, euh, anarchiste. Donc, oui, il y a des motifs qui sont intéressants. Et en effet, pour revenir sur la question de l'horloge, le fait qu'on se mette toujours sur. Alors, il y a quatre temps dans, dans ce village. Dans le cette temps, de on se met le temps de l'usine, le temps de la police. Et on se met sur le temps de l'usine à chaque fois. Donc, ça, c'est intéressant. C'est des motifs qui sont intéressants. Mais moi, je pense. Je, je, pense que je, suis passé, euh, je pense que je suis passé à côté le, le film, ou le, alors, le alors le film est trop. Euh, pas abscon pour moi, mais. Euh, un peu trop métaphorique, ou un peu trop allégorique, un peu trop euh, allégorique finalement bah, pff, Non, trop didactique, peut-être. Mmh. Alors qu'on parle de motifs, tout ça, mais je crois que. En fait, la scène de. Il n'y a, a pas assez de bordel pour un film non. sur l'anarchisme, c'est ça non, non, mais je crois que l'intro du film, en fait, m'a achevé direct. Et du coup, j'ai eu du mal. Alors que je l'ai regardé deux fois quand même. Hein, j'ai eu du mal à. À rentrer dedans après. Alors, euh, je ne sais plus qui disait, mais euh, l'anarchisme euh, ou l'anarchisme c'est celui qui aime tellement l'ordre qu'il n'en supporte pas la moindre parodie. Voilà. Donc, euh, Désordre de Cyril Choblin qui est disponible en VOD. C'est chez, chez là que Film. On va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Oh. Je voudrais que tout le la monde s'imprègne de cette. C'est vraiment Nous la plus grande merde des merde. Les coups de cœur, carrément, Fleuret. Alors, moi, les coups de cœur, ça va être le deuxième volet de la trilogie, enfin, parce qu'il me semble qu'il y en a trois. Du moins, il y en a trois qui sont disponibles en ce moment sur la VOD de la plateforme d'Arte de Inferland Affairs. Autant le premier était un jeu plutôt ludique et très efficace, du variation identitaire. Au sein du, du polar, autant le deuxième opus est un sommet de mélancolie. Bien entendu, ça parle de la rétrocession, mais c'est un sommet de mélancolie, des scènes tristes pour absolument tous les personnages. Ça m'a bouleversé. Merci, Erwan Alors moi, ça sera euh, Aquarius de Cléber Mendonça Filho. Euh, réalisateur de la comédie, comédie musicale. Je... Euh, voilà, c'est ça. Euh, film sur la comédie musicale R. Euh, non, voilà, film d'un réalisateur. Donc moi, je n'avais vu que Bakurao donc, super, que je connaissais très Donc je ne connaissais que je connaissais très mal. Alors comme il n'a pas réalisé grand chose, c'est assez facile de rattraper le coup. Donc du coup, je me suis fait celui-là, les bruits de Récif, et son dernier documentaire que je conseille à tout le monde qui s'appelle Portrait fantôme. Ah oui, bien, ça a l'air bien, très 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 bien. Moi, j'ai trouvé très bien. Mmh. Je l'ai présenté pas plus tard que la semaine dernière à Saint-Brieuc, voilà. Ah. Et c'était très bien de bosser là-dessus. Et donc Aquarius. On en parlera à l'occasion. Aquarius, euh, voilà, juste film superbe, ah oui, magnifique. Euh, film contestataire, mais là aussi dans le feutré, et avec une Sonia Braga qui, est, qui a 65 ans, qui a des scènes de sexe, qui est belle comme tout et qui est magnifique. -t -t e, Isabelle Lupère. Ouais, sexy grandma Voilà. Simon. Alors comme j'étais pas là pour le chroniquer, je vais quand même reparler de la zone d'intérêt. Euh, hum. que j'ai revu en plus une deuxième fois que je trouve hum. vraiment toujours aussi fort. J'ai vraiment rigolé. Hein. <laughs> euh, hum. C'est effectivement, euh, c'est pas un, un film qu'on qu regarde facilement, mais c'est un film auquel on repense facilement et qui euh, qui ne cesse de m'habiter depuis. Et puis euh, un semi coup de cœur, surtout pour saluer le travail de cet éditeur Le Chat qui fume, avec une découverte d'un film dont j'avais jamais entendu parler, qui un film américain des années fin des années 80 intitulé. Euh, au cœur de minuit ou Heart of Midnight. Midnight, c'est le nom d'une boîte de nuit dont une jeune femme, interprétée par Jennifer Jason Lee, hérite. Et, euh, mais en fait, elle est habitée par tout un tas de traumas. Et, et euh, les choses vont pas se passer euh, comme oui. prévu. Surtout quand on va découvrir à quoi servait cette boîte de nuit. Mmh. Merci. Alors moi, ce sera un film d'animation japonais de 1989. Euh, Venus Wars de Yoshikazu Yasuhito. Euh, film avec des jeunes à moto qui font la guerre sur euh, Vénus. Ça part dans tous les sens. C'est vénère politiquement. Ça casse plein de trucs. Et les vaisseaux et les motos sont mortels. Euh, J'ai pris un kiff monumental. 1989. Et donc post-Akira. Bah, ça ressemble okay. quand même pas mal. Merci Thibaut la mise en son de cette oh, euh, merci. édition. Bravo. Merci messieurs. Prochaine émission, prochaine édition. Ouais, ciao, bonsoir. Salut. Salut bonsoir.